Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de notre carrière sur la Greenwich. Du coup aujourd'hui comme vous pouvez voir, il pleut tout simplement, il pleut donc il va pleuvoir toute la journée malheureusement. Du coup ce qu'il faut qu'on fasse en priorité tout simplement c'est qu'on rentre tous les ballots de foin parce que tout simplement hier soir j'ai réussi à tout finir. Voilà j'ai fini plutôt tard, bon j'ai même pas fermé le portail tellement j'ai fini tard. Mais du coup voilà, donc on a des ballots à rentrer, on en a pas mal dans ce champ là. Là il va falloir tous les rentrer, je sais pas du tout comment je vais faire. Parce que bah, tout simplement il y en a quand même pas mal, hein, il y en a pas mal. Même si j'en ai déjà rentré 6, voilà, j'en ai mis 6 de côté, c'est les 6 ballots pour Diego tout simplement. Mais bon du coup on va y aller sans plus tarder parce que j'ai pas envie que les ballots prennent trop l'eau non plus. Du coup je ne sais pas du tout où les stocker, je pense que je vais les mettre ici, voilà. Ou alors ici, je sais pas, Ouais je pense que je vais plutôt les mettre ici là. Du coup il va falloir que je décale mon dandainer et puis que je décale la benne aussi. On va lever tout ça à l'arrière, donc je vais le mettre de côté comme ça je peux mettre la benne devant le semoir. Parce que du coup le semoir j'en ai pas encore besoin pour le moment, voilà. Contrairement à la benne que j'ai besoin d'ici pas longtemps parce que oula, le blé est pas loin d'être prêt tout simplement, voilà. Après, également l'endainer j'en ai pas vraiment besoin pour le moment. Voilà, comme dit, j'en ai pas besoin pour le moment du semoir ni de l'endainer. Même si je pense que je vais réussir à faire une deuxième coupe sur l'herbe. Du coup, il me reste encore la benne à décaler. Et du coup, et je sais pas si je vais réussir à faire une deuxième coupe de tout simplement de l'herbe. Parce que... parce que tout simplement, je viens d'en faire une et c'est déjà en plein milieu de l'été. Donc peut-être que juste avant l'hiver, je vais réussir à refaire une coupe. Auquel cas tout simplement je ferai des ballots en rubané. Là je ferai des ballots en rubané pour la simple et bonne raison que tout simplement vu que on sera pratiquement en hiver pardon, et bah du coup bah l'herbe va beaucoup moins bien sécher et également ça se vend beaucoup plus cher, voilà, ça se vend également beaucoup plus cher. Donc ouais je peux encore reculer un petit peu, voilà. Là je vais être pas mal. Parfait. Voilà, on détache ça là. Donc on va rattacher le transballot, voilà, et on va pouvoir partir chercher les ballots. Du coup je vais vous sortir le drone et puis je vais vous montrer tout ça bien évidemment. Parce que tout simplement ça va prendre pas mal de temps je pense. Voilà, et puis également il va pleuvoir toute la journée, du coup je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Voilà, je vais essayer de me dépêcher un petit peu en espérant que je vais réussir à tout mettre dans ce hangar là. Sinon je vais devoir en mettre dans le petit hangar aussi où j'ai déjà des ballots. Bon du coup comme dit je vais vous sortir le drone et puis je vais vous montrer tout ça parce qu'il va falloir que je me dépêche un petit peu quand même. Thank you.
pas mal de temps, voilà, ça fait, enfin pas mal de temps, ça fait plutôt que 40 minutes que je suis dessus. Donc ça va plutôt vite. Ouais. Voilà, ça va plutôt vite. Le seul petit problème qu'il y a avec ces, avec ces ballons, avec le fait de travailler comme ça, c'est que par moment le fil il reste accroché en fait. Le filet qui a du ballon il reste accroché, du coup le ballon il veut pas partir. Mais bon, apparemment ça n'a pas trop abîmé les ballots avec lesquels c'est arrivé. Mais ça c'est juste parce que je les ai mal pris à la base. Également, comme vous pouvez voir, il n'y a pratiquement plus de place. Il n'y a pratiquement plus de place, donc je pense qu'il va falloir que j'en mette dans le petit hangar. Voilà, enfin c'est ce que j'appelle personnellement le petit hangar. Après voilà, là ça a un petit peu accroché mais ça a lâché plutôt rapidement. Du coup je suis obligé de les repousser comme ça, voilà. Mais bon, du coup, il va falloir que j'en mette dans le petit hangar qui est là-bas, là. Enfin, ce que j'appelle personnellement le petit hangar. Et en espérant que tout rentre là-dedans, parce que sinon, je suis un petit peu emmerdé. Mais bon, s'il n'y a pas assez de place dans le petit hangar, j'ai forcé pour en mettre dans le grand. J'ai forcé pour tout mettre à l'abri, parce que j'ai pas envie d'en perdre. Et également, oula, il y a l'agriculteur du coin pour qui j'ai déjà travaillé, voilà. Il s'appelle Didier, voilà, au cas où, je sais pas si je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. Mais il s'appelle Didier, et puis du coup Didier il m'a appelé pendant que j'étais en train de faire ça. Parce qu'à la base j'étais censé venir pulvériser pour lui, voilà, passer un petit coup de traitement pour lui parce qu'on est en plein dans les moissons. Mais en fait il m'a dit que c'est pas besoin parce que du coup il pleut, hein, très clairement, je vais pas pulvériser quand il pleut. Surtout quand c'est de l'herbicide que tu dois mettre. Oula, voilà. Surtout quand c'est de l'herbicide que tu dois mettre, du coup tout simplement il n'a pas besoin de moi aujourd'hui. Mais du coup je lui ai proposé de... Enfin je lui ai demandé s'il avait besoin de ballots de foin. Oula, s'il avait éventuellement besoin de ballots de foin. Et il m'a dit que oui, donc oula, il serait bien intéressé d'acheter des ballots. Donc il m'a dit déjà si je peux en acheter 10, ce serait déjà pas mal. Du coup je lui ai dit pas de soucis, hein, tout simplement. Du coup normalement il vient les chercher tout simplement cet après-midi. Mais bon, je préfère quand même les rentrer maintenant, histoire qu'ils prennent pas trop d'eau non plus, parce qu'il va pouvoir se la vendre. Et une fois qu'ils seront vendus, ils seront vendus, et puis c'est... Et puis, je les ai vendus à 50 euros le ballot, pardon. Tout simplement parce que ce sont des balles rondes, tout simplement, voilà, ce sont des balles rondes. Et également, ils ont pris un petit peu la flotte, du coup, la qualité, elle est déjà moindre, hein, elle est déjà moins bonne directement. Même s'il n'a pas forcément plu sévèrement, si on peut dire ça comme ça, voilà, depuis tout à l'heure, il peut pas très fort, hein, on va dire. Mais tout simplement le fait qu'il pleut, ça fait diminuer la qualité. Donc voilà, je l'ai fait à 50 euros le ballot. Du coup ça va me faire 500 euros déjà, ça va déjà être pas mal, hein, très clairement. Ça serait peut-être plus intelligent de me mettre contre le mur pour commencer. Enfin le plus près possible du mur plutôt. Voilà. Parfait. Et du coup là j'ai essayé de les stocker là-dedans, donc bon les six ballots j'ai quand même les gardés, ça c'est sûr. Voilà, je vais au moins en garder 6 pour moi. Également ce qui est embêtant avec le fait de travailler comme ça, c'est tout simplement on est obligé de poser les ballots en longueur et non pas en hauteur. C'est-à-dire que je suis limité en termes du nombre de ballots que je peux mettre dans un hangar, hein, tout simplement, enfin dans un hangar. Parce que je peux pas les monter les uns sur les autres. Et ça me fait perdre beaucoup de place. Voilà, ça me fait perdre beaucoup de place. Je vais voir pour demander à Didier s'il peut me lever les ballots cet après-midi. Voilà, il me les empiler parce que lui il vient avec son Steyr. Enfin du moins je crois que c'est un Steyr que j'avais... Ouais, je pense bien que c'était un Steyr que j'avais utilisé pour le remplir de saumoir. Et voilà le dernier. Donc on va juste pas rentrer dans le hangar, ça sera encore plus intelligent. Enfin bref, en tout cas, ça c'était le dernier ballot. Il y en a quand même pas mal, hein. Très clairement il y en a pas mal, j'ai pas encore eu le temps de les compter, mais voilà. Appelez du coup toi, je vais te détacher ici. Voilà, parfait. Voilà, et je vais mettre le tracteur. Je vais mettre à côté de la benne, histoire qu'il soit totalement à l'abri quand même. Ok, donc il y avait 43 ballots au total. Si je me trompe pas, il y a bien 43 ballots au total, y compris le ballot que j'ai donné à Diego. Salut Diego, comment ça va? Du coup, ouais, donc ça fait 43 ballots, il y en a quand même pas mal. Didier, il en veut que 10. Bon, il me restera quand même encore 32 à vendre. Ce qui est pas mal, enfin non, même pas 32, 26 pardon, parce qu'il y en a 6 que je garde. Là, il me restera encore 26 à vendre par la suite.
Donc je sais pas du tout comment je vais m'organiser avec tout ça parce que là ça prend quand même pas mal de place. Sachant qu'ici j'ai envie d'en faire un petit atelier en fait tout simplement pour, bah, pour les réparations etc. Parce que c'est vrai que là si je regarde déjà ce machin là en une matinée, enfin une matinée en une heure, pratiquement toute la peinture est partie tout simplement voilà. Et j'ai envie d'avoir un petit atelier où tout simplement je peux bah, faire de la peinture, enfin peinture, repeindre le matériel, entretenir un petit peu tout le matériel, également stocker les semences parce que là le mettre ici au milieu c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Mais enfin bref, du coup ça va être un truc que j'ai envie de faire ici, mais il faut déjà que je réussisse à me débarrasser des ballots. Du coup hop, on va fermer la barrière. Et également ce que j'ai envie de faire, parce que comme vous pouvez voir maintenant j'ai 0€, voilà, donc j'avais remboursé la banque dans le dernier épisode, dans la dernière vidéo. Et j'ai également repayé la. Enfin j'ai payé le loyer tout simplement. Mais j'ai envie tout simplement d'arrêter de louer la maison qui est un petit peu trop loin par rapport à ici. Surtout maintenant qu'on n'a plus de voiture, tout simplement. Surtout maintenant que j'ai plus de voiture. Et j'ai envie d'installer une maison dans ce champ-là. Donc bien évidemment pas dans tout le champ. Ce serait un petit peu grand tout simplement. Mais mettre une maison ici en haut, voilà. Voilà, mettre une maison en haut ici. Je trouve que ça peut être pas mal, voilà, de faire mon petit jardin, etc. autour, ça peut être pas mal. Et puis par la suite, ici mettre des moutons. Voilà, par la suite, ici mettre des moutons. Ou peut-être même d'abord les moutons et puis après la maison. Je sais pas encore, parce que j'ai trouvé sur justement sur le site de vente bah, pour les machines pour les machines d'occasion tout simplement, où j'avais acheté mon ordinateur, j'ai trouvé une caravane que je pouvais éventuellement acheter et puis ramener en tracteur pour le mettre ici. Au début je crois que je le mettrai ici, voilà, un petit peu en bas où c'est facile d'accès, et puis par la suite me ramener en haut, ou je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'ai envie de mettre une maison ici en haut. Et là j'ai envie d'en mettre une ici, sachant que bah, le portail il est à peu près ici, non il est plus par ici, voilà, il est à peu près ici le portail, c'est à dire que j'ai pas envie d'enlever bah, la haie ici tout simplement pour faire une entrée. J'ai envie, parce que du coup ça me coûterait encore plus d'argent, tout simplement ça me coûterait encore plus cher, parce que du coup il faut que je rachète une autre barrière, etc. Alors que bah il y en a déjà une ici. Tout simplement du coup ce que je pense faire c'est ici enlever la haie qui est ici, voilà, jusqu'au petit arbre ici. Enlever la haie ici et puis bah, faire un chemin qui me remontera sur la maison. Mais bon ça va être un projet pour plus tard. Pour l'instant, en termes d'argent, c'est un petit peu compliqué, voilà, avec 0€ on va aller pas très très loin. Mais enfin bref, bon du coup moi je vais attendre jusqu'à ce que bah, Didier vienne chercher les ballots tout simplement. Du coup bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon du coup ouais, Didier vient de m'appeler pour me dire qu'il pourrait pas venir chercher les ballots. Du coup il m'a demandé si éventuellement je pouvais venir les livrer. Et je lui ai dit en soi je veux bien, hein, mais faire 10 voyages ballot par ballot ça va pas trop le faire. Pour 500€ ça vaut pas trop le coup. Du coup ce qu'il m'a dit c'est tout simplement je peux venir chez lui chercher le Steyr tout simplement. Je pourrais venir chez lui pour chercher le Steyr et puis servir du Steyr pour charger tout ça. Enfin pour charger 10 ballots déjà, ce serait déjà pas mal. Du coup bah, c'est ce qu'on va faire, voilà, on va aller en direction de Didier, enfin de la ferme de Didier plutôt. Bon du coup on est bientôt arrivé, donc ouais, normalement il a dit que le plateau il était ici et le Steyr aussi. Là il disait que le Steyr est ici, donc ouais le plateau il est là, ouais parfait. Donc moi je vais juste garer mon tracteur à l'abri, voilà, tranquillou. Donc je vais le laisser là, comme ça bah, il prend pas la flotte à 100% non plus. Du coup le Steyr, normalement il est dans le hangar là-bas. Normalement il est dans ce hangar là, il a pas bougé apparemment depuis la dernière fois. Bon il est... hein. Il est parti où le John Deere juste? Enfin le John Deere, le Steyr, parce que je vois un John Deere là, mais ouais. Je vois un John Deere avec un petit bot à l'avant, mais je vois pas le Steyr. Pourtant il m'a bien dit de le Steyr. Hein, c'est bien ce qu'il m'a dit au téléphone, peut-être qu'il l'a mis dans ce hangar là, je sais pas. Non, il y a juste une moissonneuse. Bah, je vais aller le voir, bon il m'a dit que je devais pas lui parler aujourd'hui, enfin j'avais pas besoin, mais c'est bizarre parce que je vois le plateau mais je vois pas le Steyr. Donc bah, je vais lui parler vite fait et puis bah j'espère que bah, c'est une John Deere que je dois prendre, parce que sinon je suis un petit peu emmerdé quoi. Bon du coup c'est effectivement le John Deere que je dois prendre, voilà, le Steyr il est à l'autre ferme, à la ferme des moutons apparemment. Il a une autre ferme avec des moutons à ce que j'ai pu comprendre. Et du coup ouais, je lui ai demandé si je devais ramener les ballots de foin chez les moutons, il m'a dit non il faut que je les ramène ici, du coup bah, je vais les ramener ici.
Et également, je lui ai dit que j'ai un cheval maintenant, mais que je n'ai pas de cuvao. Du coup, il m'a proposé que, tout simplement, je prenne ces deux cuves-là. C'est des trucs à engrais à la base. Donc voilà, donc je pouvais les avoir. Il me les donne, hein, très clairement, parce que lui, il sait pas du tout quoi en faire. Du coup, il me les donne. Je peux les ramener directement maintenant, tout simplement. Peut-être qu'avec ça, je pourrais créer une tonneau. Parce que j'ai déjà regardé sur internet si c'est possible. Enfin, on a regardé ça vite fait ensemble. Et c'est possible. Il faut juste que j'aille passer au concessionnaire aussi. Pour tout simplement pour pouvoir récupérer les quelques outils qu'il me faut. Voilà, j'ai passé la commande, etc. Du coup, je vais passer au concessionnaire ce soir. Enfin, ce soir, une fois qu'on aura rentré. Mais enfin, bref, du coup, je vais ramener ça à la ferme. Voilà, appelé. Donc, on va prendre le petit John Deere. On va prendre le petit John Deere. On va y attacher le plateau. Quoique, je devrais. Ah, je pourrais peut-être bien mettre d'abord les palettes. Bon, j'ai pas envie de faire ça au pitbot parce que je sens que ça va mal finir cette histoire. Ok, donc techniquement on peut y aller. Donc j'ai réussi à mettre des sangles sur la première passe, sur la deuxième, parce que bah il y avait qu'une sangle, tout simplement. Il y avait qu'une sangle, du coup j'ai roulé plutôt doucement. Et également j'amène le transpalette en même temps. Tout simplement pour pouvoir décharger les palettes. Ça serait quand même un petit peu plus facile, on va dire, pour les décharger. Du coup voilà, donc on va rouler plutôt doucement. Bon, du coup on est arrivé à la ferme. C'est vrai que ça n'a pas pris trop de temps pour rouler avec ce tracteur là, vu qu'il roule plutôt vite. C'est vrai que ça c'est pas mal qu'il roule vite. Donc ouais, bon là je sais juste pas si je dois prendre le ballot, enfin si je dois mettre le plateau dans un... Ouais, je crois que je vais commencer par prendre les ballots qui sont là, ça va être plus facile pour charger le plateau. Et puis après je vais les décaler moi-même avec le transballot, tout simplement. Voilà, ça va être un truc que je vais faire après. Du coup je vais me tourner ici. Voilà, je vais tourner ici dans la prairie, ça va être plus simple. Voilà. Les petites marches arrière. Puis je vais le mettre de travers là, au niveau de la sortie, tout simplement. Voilà, ça va me prendre le moins de temps. Enfin, c'est ce qui va me prendre le moins de temps normalement pour charger, ça va être le plus facile. Voilà, là c'est parfait. Du coup on enlève les hydrauliques, on détache tout ça. Je vais enlever le pitbot, j'ai déjà commencé. On va déjà détacher tout ça. Enfin, on va enlever les sangles. Du coup, je vais commencer par enlever le pitbot. Je vais enlever les palettes par la suite. Et puis, après, je vais pouvoir charger les ballots, tout simplement. Bon, du coup, j'ai réussi à enlever les palettes. Enfin, les citernes plutôt. Et là, je suis vraiment. C'est le moment où je suis en train de me dire que j'aurais pas dû les vendre, ce que j'avais. Mais bon, du coup, je les ai vendus. Et puis, c'est tout simplement. Mais bon, du coup là j'ai réussi à les mettre ici, ça va qu'ils sont vides et que du coup ils sont pas très lourds, hein. Tout simplement je peux les enlever tout seul, je peux les enlever de la palette tout seul pour faire la citerne, etc. Donc je vais vraiment pouvoir tout faire tout seul, hein. je vais être autonome, on va dire. J'ai mis le transpalette à la fin de... je l'ai mis au bout, tout simplement, du plateau. Et du coup maintenant il me restera plus qu'à charger les ballots, donc 10 ballots il m'avait dit. Du coup on va mettre une sangle par ballot, ça va déjà être pas mal. Voilà. D'ailleurs je suis étonné que ce tracteur là, en fait, il n'y ait aucun mal à soulever deux ballots en même temps. C'est à dire que normalement il faut mettre une masse à l'arrière. J'ai pas pensé à mettre une masse, mais franchement ça le fait super bien. Donc franchement super beau tracteur, en plus il est super maniable. 6610, franchement je rêverais d'avoir un tracteur comme ça un jour. Je rêverais d'avoir un tracteur comme ça un jour. Mais bon, après voilà, si déjà j'arrive à avoir un deuxième tracteur, ça serait déjà pas mal. Alors que là, bon, un tracteur, on va pas aller très loin. Bon, déjà, quand t'as deux fermes, c'est pas étonnant que t'aies ce genre de matériel, on va dire. C'est pas étonnant que t'aies ce genre de matériel si t'as déjà deux fermes, donc bon. Voilà quoi. Bon, hop, du coup, on va attacher le plateau. Et on n'oublie pas les hydrauliques. On peut y aller. Du coup, Diego, il est encore là. Oui, parfait. On sait jamais, hein, tout simplement, on sait jamais. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste fermer le portail en repartant.
Ah, je vais fermer le portail en repartant parce que dis, j'ai pas envie que ça m'arrive comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on me vole quelque chose. Comme par exemple la dernière fois c'était la voiture, hein, simplement on m'a volé ma voiture. Bon, du coup, on est bientôt arrivé chez Didier. Voilà, il ne me reste plus qu'à tourner à gauche ici. Et bah du coup, je sais pas du tout où je dois laisser ces ballots. Je sais que je devais les ramener ici, mais je sais pas où je dois les laisser. Je vais quand même les rentrer à l'intérieur d'un hangar. Ça, c'est sûr, parce que j'ai pas envie qu'ils prennent trop la flotte non plus. Je crois que je vais le laisser dans celui qui est vide. Pas que ce soit trop encombrant non plus, quoi. Je vais remettre... ouais, j'ai rangé le pickbot, etc. dans l'autre hangar. Les trois toilettes aussi, tout simplement parce que bah, c'est le minimum des choses, hein, tout simplement, voilà, appelez. Parfait. Du coup, ouais, bah, il avait attaché le pickbot, nickel, et je vais mettre le tracteur à sa place, à la place du stayer à la base, mais bon, hop, on va le laisser là, du coup. Du coup, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement créer la... enfin, fabriquer la tonne à eau. Je viens tout juste de m'apercevoir qu'en fait j'ai pas pris la bonne route parce que depuis tout à l'heure je prends l'autre route qui passe devant le concessionnaire. Et bah là je me suis dit pour une fois je vais changer de route parce que tout le temps la même route c'est un petit peu fatigant. Et bah du coup c'est la route qui passe pas devant le concessionnaire, du coup bah je vais faire un petit détour. Mais c'est pas grave, bon du coup comme dit je vais aller chercher les composants pour la tonne à eau. Bon du coup moi j'ai cherché les composants et puis bah je vous dis à tout de suite. Bon du coup j'ai tous les composants, voilà c'est que des petits trucs, le plus gros truc c'est un triangle. Bon j'avais laissé mon clignotant allumé, je crois que ça va bien vider la batterie, enfin bref. Du coup le plus gros truc c'est un triangle, je l'ai là sur le côté, tranquillou. Et le reste c'est que des petits trucs, des pompes etc, enfin bref c'est pas vraiment des trucs qui sont vraiment très très gros en soi. Donc bon, je peux les porter sur moi, c'est pas gênant. En plus de ça c'est que sur un petit trajet on va dire. Bon du coup je suis de retour à la ferme tranquillou, donc je vais ralentir. Oula. Ah ça, ce trou là il faut que je le rebouche, ainsi que bah il y a quelques trous là, celui-là aussi, il faut que je le rebouche. Il y a pas mal de trous que je dois reboucher là-dedans, mais je crois que je vais refaire toute l'allée, enfin bref. Du coup, je vais garder mon tracteur à côté de la benne. J'enlève la clé, bien évidemment, voilà, pour éviter que quelqu'un me le vole. Je vais refermer la barrière ici, normalement elle est fermée, oui, elle est fermée. Et puis bah tout simplement, je vais m'amuser à bricoler un petit peu avec ces cuves à eau. Je vais déjà commencer par les nettoyer tout simplement, puis bah, je vais fabriquer tout ça ce soir et puis demain. Et j'ai également déplacé les ballots qui sont là. Puis enfin bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quand même, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.